Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre Road to Ronaldo. On a déjà une bonne base de crédit comme vous pouvez le voir. Là je suis en train d'utiliser une petite liste dont vous pouvez vous inspirer. Les joueurs, vous pouvez les réutiliser, ça marche super bien. On a du Trapp, du Ruffier. Au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous verrez cette vidéo, on est le lendemain de la sortie de la Team of the Week 4, il me semble, où il y a Agüero, Hero, encore une fois, il y avait eu Lewandowski la semaine dernière, et là cette semaine c'est Agüero qui me semble a mis un 5-tuplé, un quintuplé le week-end dernier. Voilà, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font en ce moment les attaquants. Donc les gens packent énormément, les prix sont vraiment descendus. J'en ai profité pour investir à la fin de cette vidéo. Là c'est encore des gameplays qui datent de il y a quelques jours déjà. Mais vous pouvez quand même vous inspirer de ces joueurs qui marchent vraiment très bien. On a également du Doumbia, du Chadli, du Fellaini, du Touré, Kolo Touré, Bouffal et Gomis. C'est vraiment les joueurs qui sont le mieux partis pour moi. J'en ai testé beaucoup au début de ce FIFA. Et c'est les joueurs que j'ai retenus. Donc vous pouvez sans crainte les faire et ça partira. Mettez 900 000 de crédit en plus. Il faut qu'il y ait des contrats, de la forme, un style si possible. Et je vous promets que ça partira. Après, si vous êtes sur PS3 ou Xbox 360, j'ai eu quelques retours qui me disaient que c'était assez compliqué l'achat-revente. Et je vous comprends parce que c'est vrai que maintenant les marchés sont séparés. Il y a beaucoup moins de gens sur Xbox 360 mais aussi sur PS3. Donc du coup ça devient plus compliqué pour faire de l'achat-revente pour vous. Mais je pense que cette technique doit également marcher pour vous. Essayez peut-être mettre un petit peu moins de bénéfices et de faire plus de ventes. Ça marche également, vous ferez également des crédits. On a continué avec une liste de joueurs avec quasiment les mêmes joueurs. Vous verrez qu'à la fin de cet épisode, je vais commencer une autre technique. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans l'épisode 5. Toujours Maicon, Rosicky qui part très bien, Gomis. Quand vous voyez que les joueurs marchent vraiment bien, n'hésitez pas à les utiliser. Vous ne les mettez pas non plus en 30 fois dans votre pile, mais vous en prenez 2-3 et vous les listez. Et vous verrez que ça partira vraiment très très bien. D'ailleurs les mecs, est-ce que ça vous dirait, je voulais vous poser une question, dites-moi tout ça dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Twitter. Est-ce que ça vous plairait que je fasse que je commence une nouvelle série? Je continuerai bien sûr celle-là, mais que je fasse une nouvelle série, parce que je sais pas si vous avez remarqué, en fait les épisodes du Road to Ronaldo durent que 4-5 minutes et je vous mets quelques joueurs que je reliste et à la fin je vous mets toutes les ventes que j'ai faites et je fais quand même quelques achats et je reliste quelques joueurs sans filmer, donc vous voyez pas vraiment tout ce que je fais sur le compte. J'essaye de vous montrer le maximum, mais voilà, je peux pas tout vous montrer. Vous avez un aperçu des joueurs que j'utilise. Est-ce que ça vous plairait? Je sais que l'année dernière, Robert87000, c'est un youtubeur qui fait des vidéos d'achat-revente, avait fait ça l'année dernière et j'avais trouvé ça assez sympa comme concept. Sans vouloir plagier ou faire quelque chose comme ça, je voulais vous demander si ça vous plairait que je commence un club, une nouvelle série, où en fait je fais de l'achat-revente que pour les épisodes, c'est-à-dire que je... Tout ce que je fais sur le club, je le tourne et puis je le mets sur YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de coupure, il y aurait... Voilà, ça serait des épisodes de 20 à 30 minutes où je ferai de l'achat-revente et on essaierait de monter en crédit. Et tout ce que je ferai sur le compte, je le ferai en vidéo. Comme ça, vous verrez simplement tout ce que je fais sur le compte du début à la fin. Je sais pas, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous plaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voyez mon bénéfice de transfert qui est... à un peu plus de 50 000 crédits, donc c'est vraiment pas mal. On va pouvoir commencer les plus gros joueurs, tout ça, vous verrez ça dans l'épisode 5. Vous avez vu qu'à la fin, j'ai relisté une nouvelle liste de joueurs. N'hésitez pas à vous inspirer des joueurs, pas forcément des prix. Les prix peuvent varier entre les consoles, entre les jours, mais inspirez-vous des joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'était Ben. Ciao les gars.